Les jours enchaînent avec leur lot de surprises sur la croisette. Ce samedi 21 mai, le 75e Festival de Cannes a continué les festivités, en enchaînant les projections et les montées des marches de bon nombre de stars internationales. Invité afin de présenter sa nouvelle production, Falcon Lake, qui est notamment le premier film de Charlotte Le Bon, Jalil espère s'est évidemment présenté sur le plus célèbre tapis rouge du sud de la France. Mais le fiancé de Laetitia Hallyday n'était pas accompagné lors de ce moment inoubliable. En couple depuis le mois d'octobre 2020, les deux tourtereaux n'ont pas pu s'afficher ensemble lors de ce grand événement mondial du cinéma. Pour autant, l'ex de Sonia Roland et Bérangère Allo, avec qui il a eu trois enfants, Kaina, Jenna et Alyosha, s'est tout de même mis sur son 31. Il était vêtu d'un smoking d'un noir élégant en compagnie de quelques-uns des protagonistes de son prochain long métrage dramatique qui sortira lors de cette année 2022. Loading Widget.